Bonjour. Bonjour. Alors notre émission va s'appeler Forfaiture. Alors forfaiture, il y en a qui vont peut-être pas comprendre, falsification ou détournement ou enfin bon voilà, forfaiture. Alors la référence est à la fois à Coquerel qui a parlé de forfaiture après la lettre aux Français de Macron et même Jérôme Gage a parlé de forfaiture, c'est pour vous dire hein. Donc il y a plein de gens qui ça fait consensus, on va dire. Mais donc aujourd'hui forfaiture, pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est une émission spéciale, on est quelle date? On est le 7 octobre. Le 7 octobre, oui. 7 octobre 2024, un an après le 7 octobre 2023, où il s'est passé quelque chose d'énorme, qui n'était pas le début de l'histoire d'ailleurs, hein, parce que tous les médias nous expliquent que c'est le début de l'histoire de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en Palestine. Et aujourd'hui, on a Jean-Claude Perron qui va nous remettre les idées en place par rapport à justement ce conflit qui dure depuis très 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 longtemps. Qui a une histoire. On peut le dire que tout n'a pas commencé le 7 octobre, effectivement. Ouais. Que certains voudraient nous faire croire que c'est une action fondatrice, mais non, ça n'est pas du tout une action fondatrice. C'est une histoire qui remonte à un siècle. Si on veut mettre comme date 1948 la création de l'État d'Israël, ça fait 76 ans. Oui, mais tu disais qu'en fait, l'État s'est créé bien avant, a commencé à se créer bien avant, hein, par petits. Il ne s'est pas créé, c'est-à-dire que là, il y a une déclaration unilatérale, je rappelle, c'est pas un ensemble un concert des nations qui ont créé Israël, c'est Israël s'est déclaré tout seul. C'est autoproclamé, comme État. Mais c'est vrai que ça se préparait avant, hein, avec le. Après le démantèlement de l'Empire ottoman à la fin de la guerre 14-18. Il y a eu une complicité de l'Occident. L'Occident, les forces européennes qui avaient vaincu un allié de la Prusse à l'époque, sont partagés un petit peu tout ce qui pouvait être partageable. Et donc c'est là la naissance des mandats, hein, mandat britannique sur la Palestine et mandat français sur le Liban. On pourrait dire que déjà là il y a une forfaiture parce que en fait tout ça se passe sur le dos des Arabes qui ont été les alliés pour battre les Turcs, hein. C'est l'épisode Laurence d'Arabie. Et malgré ça, donc les Arabes qui espéraient que lors de l'armistice, il serait reconnu comme étant valide pour être sur la région. Voilà. Et non, finalement, il y a les mandats britanniques. On avait promis d'ailleurs des contreparties, qui n'ont pas été respectées. Oui, mais c'est quand même les séquelles et en même temps l'accompagnement du colonialisme ambiant à l'époque des dirigeants, c'est-à-dire... des nations civilisées qui vont aller dire aux nations moins civilisées ce qu'il faut qu'elles fassent et qui vont les administrer en attendant peut-être d'autres horizons où elles pourront s'administrer elles-mêmes. Et donc on a tiré des grands traits, puisqu'on démantelait un empire, on a tiré des grands traits, des frontières qui sont des lignes droites à travers un Syrie, Liban, tout ça, c'est des découpages. Il suffit de regarder la carte et voir comment les... Et donc, on a mis là des mandats pour administrer tout ça. Voilà. Et ces mandats, c'était à nouveau du colonialisme, puisque l'armée britannique était là en Palestine, l'armée française au Liban. Et l'objectif était aussi de peut-être christianiser un peu ces gens-là, quoi. C'est ce qui fait d'ailleurs que Macron, comme le Liban est en cause à l'heure actuelle, essaye de rabibocher, de remontrer la pelote en disant « nous, on est les alliés du Liban ».
quelque part. Oui, oui, oui. Hein. Bah, oui, il y a une tradition française au Liban qui est importante et intéressante, que ce soit culturelle ou économique. Oui, ce que je voulais dire, c'est simplement, c'est tous ces gens, disons, vivaient israéliens et palestiniens, vivaient. Alors, c'était juif à l'époque. Juif à l'époque, oui. Donc vivaient tranquillement, enfin vivaient. Ça se passait assez bien, absolument, quoi. Absolument, hein, absolument. Oui, oui. Il y a des écrits, des souvenirs. Il y avait là des Grecs, des Juifs, des chrétiens, des Arabes chrétiens, des Arabes musulmans, bien sûr. Et tout le monde vivait, disons, dans une harmonie à peu près correcte, comme dans tout pays. Et avec sa culture propre. Avec la culture, etc. Il n'y avait pas une vraie culture dominante, en fait. Si. Non, il y avait quand même, il y a quand même eu l'empreinte qui était très longue de l'Empire ottoman, hein, ouais. C'est-à-dire la culture turque, mais disons que c'est la culture méditerranéenne en général, quoi, qu'on retrouve aussi en Grèce parfois, qu'on retrouve aussi au Maghreb, en Égypte, etc. Il y a quand même une culture méditerranéenne qui existait. Et qui au niveau de par exemple de la cuisine, de la musique, de la voilà, nous avions toute cette culture qui n'était pas une culture limitée, revendiquée, mais qui était une culture globale et qui était avec des nuances bien sûr, mais qui était harmonieuse disons par rapport à qui était partagé et apprécié par tous. Ouais, alors voilà. On a fait le choix de ne pas faire l'historique en parlant de Balfour, en parlant des accords Sykes-Picot, etc. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent trouver ça, Balfour, Sykes-Picot, etc. Mais on voudrait parler un petit peu de ce qui se passe maintenant. Hein. Voilà, ça me semble très important, parce qu'effectivement, tout n'a pas commencé le 7 octobre 2023, ça a commencé bien avant, donc bon, la création de l'État d'Israël, qui est sur des fondements, le sionisme, qui est un fondement colonial, c'est-à-dire nous allons récupérer une terre sans peuple pour un peuple sans terre, qui est le peuple juif, dispersé dans le monde entier, et avec la bienveillance et même aidé par les États occidentaux, avec la culpabilité de l'Allemagne, hein, par rapport à la Shoah, etc. Ça se passe en 1948, ça. La création de l'État d'Israël, c'est 48. Ça s'appelle aussi, cette date de la création de l'État d'Israël, le Nakba, pour les Arabes, pour les Palestiniens surtout, qui est, ça veut dire la catastrophe. C'est-à-dire que pour eux, la création de cet État, ça veut dire que c'est la fin de leur liberté de pouvoir construire eux-mêmes une nation palestinienne. Parce que l'État n'était pas sans peuple, eux, ils étaient là. Ils étaient là. Et donc les Israéliens arrivent et disent qu'ils vont prendre possession d'un État sans peuple. Les Israéliens ne sont pas arrivés d'un seul coup, c'est-à-dire qu'il y a eu des vagues d'immigration. En 47 et 48, ça s'est accentué avec justement la Shoah, où la culpabilité de l'Occident fait qu'on a favorisé l'arrivée de nombreux Juifs sur ces terres-là. Et dès 47, il y avait déjà eu des exactions contre les Anglais, d'une part, qui étaient toujours mandataires ici, et puis contre les populations palestiniennes qui étaient présentes. Il y a eu quand même 800 000 Palestiniens qui ont dû fuir les exactions, les crimes, la terreur qui était semée, on parle de terrorisme, la terreur qui était semée, des villages entiers décimés, des villages où les gens ont été tués, enterrés dans des fosses communes, les maisons étaient détruites, etc. Tout ça pour fuir à peu près 800 000 Palestiniens. Ailleurs. Ils vont ailleurs, ils vont au Liban, entre autres. Ils vont au Liban, en Jordanie. Ils vont en Jordanie, ils vont en Syrie, ils vont effectivement dans les pays alentours. Et Villepin, ce matin, alors bon, Villepin, avec toute la réserve qu'on peut avoir ici sur Villepin, nous dit, et tout ça se passe un droit qui serait ouvert, mais ce droit, normalement, n'est pas un droit illimité à la suite de la Shoah. Hein, parce que à la suite de la Shoah, en fait, l'État d'Israël se permet plein de choses, mais c'est pas un droit limité, puisque là, on se retrouve avec une guerre terrible. Il peut tout se permettre, puisqu'il est continuellement impuni. C'est-à-dire qu'il y a des tas de résolutions des Nations Unies, que ce soit du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale, qui ont été votées, demandant des tas de choses, le droit au retour pour les Palestiniens, demandant... des tas de résolutions de ces organismes
qu'Israël ne respecte pas. Mais il n'y a aucune conséquence, c'est-à-dire que, qu'il respecte ou qu'il respecte, il n'y a aucune conséquence. Bah, ça va très loin, puisque même ils ont déclaré, le secrétaire général de l'ONU, persona non grata en Israël. Très récemment, ces jours-ci. Oui. Donc il y a une impunité, ce qui fait que c'est comme dans l'éducation, hein, quand un gamin fait des bêtises qu'on ne le punit pas, mais il va continuer. Et là, il y a une grande impunité, il y a même un grand silence, qui ne dit rien qu'on sent, quoi. Enfin, c'est... C'est vrai, hein, qu'enfin, on sent quand même que, même nous, la France, on est quand même loin d'être neutre, quoi. Hein. On n'agit pas, les États-Unis pareil, qu'enfin, il y a plein de pays. Je pense qu'on n'est pas sur le même plan que les États-Unis, quoi. Plein de pays. Non, on n'est pas sur le même plan, mais nos intérêts occidentaux, voilà. En général, globalement, sont un peu les mêmes. Sont un peu les mêmes, hein, effectivement. Sont un peu les mêmes. Et alors, tu parlais de Netanyahou, toi, Alain, tu posais la question sur Netanyahou. Bah, Netanyahou, oui, on se dit, mais. Ce type est diabolique. Moi, je me suis dit, mais quelle était son enfance? D'où vient-il? Et j'ai lu que son père était, disons, un grand sympathisant de Mussolini. C'est surprenant, quoi, parce que on se dit, ce peuple juif qui a beaucoup souffert, quand même, pendant la guerre de 39-45, comment on peut être admiratif, être juif et admiratif d'un type nazi, quoi. C'est quand même surprenant. Et c'est vrai que Netanyahou est un mec politico sympathisant avec les religieux d'extrême droite, quoi. Enfin, c'est un mec quand même très compliqué et qui veut maintenir sa position politique, quoi. Enfin, bon. Oui, c'est Netanyahou, c'est quelqu'un qui navigue à vue. Parce qu'il y a un tas de problèmes attachés à sa personne, à sa fonction. D'une part, il n'était pas forcément d'extrême droite auparavant, mais ça n'avait pas dire grand-chose. Il était quand même... c'est lui qui a poursuivi depuis de nombreuses années maintenant la guerre coloniale qui est menée depuis 1948. Et puis, le problème, c'est que c'est un homme de pouvoir qui est aussi un homme corrompu. C'est-à-dire qu'il y a des casseroles énormes. Et s'il n'a plus de fonction ministérielle, il se retrouve en prison, hein, suivant la loi israélienne. Donc c'est quelqu'un qui a absolument intérêt. Voilà. Et aux dernières élections, il n'a pas réussi à avoir une majorité avec son parti, le Likoud. Donc il a dû faire alliance avec d'autres partis pour pouvoir gouverner et rester au pouvoir, surtout. Lui, ce qui l'importe plus au monde, c'est de rester au pouvoir pour éviter de se retrouver en prison. Est-ce que là, à ce moment, il y a un état d'urgence, en fait? Il y a un état d'urgence. Donc, il y a pas de cabinet de guerre qui dirige le pays. Il n'y a plus rien d'autre qui dirige le pays, qui dirige l'effort de guerre. Et pour pouvoir rester au pouvoir et pour ne pas être mis en minorité, il est obligé de faire alliance avec les partis d'extrême droite, partis religieux d'extrême droite. Juifs et aussi des partis d'extrême droite néo-nazis, on pourrait dire, sont absolument des gens racistes, mais au plus haut point. Hein, on va nous traiter nous d'antisémites, mais eux sont des racistes purs, à l'état pur, en disant qu'il n'y a que la nation juive, et d'ailleurs c'était déclaré en 2018 par la Knesset, le Parlement, l'État d'Israël est un État juif pour les juifs, et tous ceux qui ne sont pas juifs doivent faire allégeance à cette notion qui est « c'est un État juif pour les juifs ». Mais donc, ce que tu disais, c'est que un racisme d'État. Netanyahou est plutôt opportuniste, en fait, dans l'histoire. Ah, mais lui, il est opportuniste, absolument. Hein, c'est pas forcément... Ceci dit, il porte quand même l'idéologie de base de la guerre coloniale, de gagner le maximum de terres avec le minimum d'habitants qui ne sont pas juifs. Ça, c'est toujours sa idéologie. Surtout... Mais les moyens qu'il se donne sont de pire en pire à cause de cette alliance avec les mouvements d'extrême droite pour pouvoir se maintenir au pouvoir, avoir une majorité. Et c'est surtout ce qu'il fait par rapport au Hamas que tu expliquais, qui fait que, en fait, il a fait... C'est lui qui quelque part, donne de l'énergie au Hamas. C'est la stratégie. C'est-à-dire que Israël, depuis le début... ne veut absolument pas que se crée un État palestinien. Donc le meilleur moyen pour pas que se crée pas un État palestinien, c'est qu'il n'y ait pas d'interlocuteur avec qui discuter, avec qui se mettre autour d'une table pour pouvoir discuter de ce qu'on fait pour créer un État palestinien à côté d'un État israélien. Donc, à partir de là, tous les moyens sont bons. C'est-à-dire que le Hamas, effectivement, c'est une création
disons, d'Israël, et favoriser l'émergence du Hamas, puisque le Hamas est quand même un mouvement politique autant qu'un mouvement religieux, mais il y a une branche politique qui fait du social, qui s'occupait, enfin, qui faisait, disons, parce que ça, tout ça a beaucoup évolué, on n'a pas beaucoup de temps, qui s'occupait de social, etc., et qui a pu pénétrer dans la société grâce à la manne financière du Qatar. Mais cette manne financière du Qatar, pour arriver à Gaza, il faut bien qu'elle passe par, par un canal officiel. Et Israël a toujours favorisé, dans une réunion des députés du Likoud en 2019, Netanyahou a dit, dans une réunion interne, a dit si on ne veut pas d'État palestinien, il faut favoriser le Hamas pour qu'il déstabilise l'autorité palestinienne qui détenait l'autorité palestinienne, hein, c'est comme son nom l'indique, elle était décidée par des accords, que ce soit le processus de Oslo ou d'autres accords sont par ailleurs. Faut qu'on aille vite, donc je ne peux pas m'étendre trop là-dessus. Mais donc c'est ça, c'est favoriser ce Hamas pour pouvoir déstabiliser l'État, pour qu'il n'y ait pas d'interlocuteur, pour qu'il n'y ait pas d'État palestinien. C'est ça l'objectif principal de Netanyahou et de tous les autres gouvernements qu'il y avait auparavant. Oui, pour Netanyahou, c'est étendre au maximum, disons, les terres, hein, et puis c'est le peuple palestinien, c'est un peuple de terroristes pour lui. Hein, Bien sûr, puisqu'ils gênent, ils sont là, ils les gênent dans leur projet, donc quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de la rage, évidemment, et donc ce sont des terroristes. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore, c'est qu'il y a en même temps une guerre économique, parce qu'en fait, au bout du bout, il y a aussi du gaz à prendre à Gaza, il y a du gaz à prendre au Liban, hein, puisque en ce moment, très lié, bien sûr, parce qu'on part sur une guerre qui va aller sur la Grande Palestine, c'est-à-dire aller aussi prendre les territoires du Liban. Tout ça est très lié. Moi, je ne voudrais pas qu'on fasse cette émission sans parler des Palestiniens, parce que là, on parle beaucoup des Juifs, des gouvernements juifs, etc. Mais parlons des Palestiniens. C'est-à-dire que les Palestiniens sont humiliés, assassinés, torturés, nier. L'objectif, c'est de les chasser. L'objectif, c'est l'effacement de ce peuple. C'est-à-dire que Golda Meir disait, au moment où elle était première ministre, le peuple palestinien, mais c'est quoi? Ça n'existe pas. Les Palestiniens, ça n'existe pas. Oui, c'est donc, pas d'hier, quand même. Voilà. Et donc, l'objectif, maintenant, c'est de faire en sorte qu'il n'existe plus. Parce que ne pas vouloir faire la paix et ne pas vouloir qu'un État palestinien se crée, c'est l'objectif encore aujourd'hui. Et ça veut dire aussi qu'il faut effacer l'autre, hein, qu'il disparaisse. Quoi. Effacer son histoire aussi. Et de son histoire, voilà. On voit par exemple à Gaza, depuis un an, les principales cibles, bon, c'est le secteur de la santé, les hôpitaux, ça on le sait, etc. Mais c'est aussi tout ce qui est archéologique, site archéologique, toute l'histoire, toute la mémoire de ce territoire qui est en train d'être bombardé, rasé, annihilé pour qu'on puisse l'oublier. Mais c'est aussi les salles de cinéma, les librairies, les bibliothèques, les archives, l'état civil. Tout ça est en train d'être bombardé, nié. Et sans doute aussi les manipulations des jeunes. Bien sûr. Et ça va jusqu'à la cuisine, puisque on nous faisait remarquer que le hummus, par exemple, hein, qui est donc un plat à la fois libanais et palestinien. Hein, méditerranéen, que je disais tout à l'heure. En tout cas, d'un seul coup, devient un plat israélien. C'est comme les broderies, les robes brodées deviennent des robes palestiniennes. Une ministre de ce gouvernement s'est exhibée une fois avec une robe en disant ben voilà, c'est la culture, notre culture, etc. Donc on s'approprie la culture de l'autre et on efface l'autre pour qu'il disparaisse, pour qu'il n'existe pas, pour qu'on dise c'est nous qui sommes là, notre histoire, c'est notre histoire qui est la bonne. En face, il n'y a pas d'histoire. La négation. Alors, on aura deux mots peut-être sur ce qui se passe en France en miroir par rapport à ça, mais tu voulais aussi parler d'un film à sortir qui s'appelle L'innocence. Innocence, oui, c'est un film. J'ai été sollicité pour visionner ce film qui est un film d'un réalisateur israélien, Guy Davidi, qui avait réalisé le film 5 caméras brisées, je ne sais pas si certains se souviennent, avec un Imad Bornat, un réalisateur palestinien. Donc ce film,
On m'a demandé mon avis pour savoir si ça valait le coup de le distribuer en France avec une sous-titre en français. Et donc, j'ai regardé la version en anglais. Et effectivement, c'est un film qui montre l'embrigadement depuis l'enfance, la plus tendre enfance, jusqu'à l'adolescence et jusqu'au service militaire des jeunes générations d'Israéliennes. Et comment on les met dans un couloir qui est ce couloir de « il y a l'ennemi ». Il faut qu'on soit fort, il faut se défendre. L'autre, il faut l'éliminer. Et ce couloir, il s'est montré à travers des écrits de ces adolescents qui, à un moment, parfois se posent des questions. D'autres suivent ça et ils vont... Mais certains se posent des questions et se demandent où ils se trouvent. Parce que pour eux, il n'y a pas de raison forcément d'haïr ce type en face qui a l'air sympathique. Et donc, certains d'entre eux se sont suicidés même. Et donc, ce film est basé, on entend uniquement au niveau du son ces écrits d'enfants, d'adolescents. Il a monté des images d'archives de leur famille. Il a montré, on les voit jeunes, enfants, bébés, on les voit grandir. Et on les voit complètement coincés dans cette éducation militarisée pour... toujours à la gloire de cet État conquérant et colonial. Formaté ou mourir, quoi. Voilà, absolument. C'est terrible. Et ce film, moi, je trouve, d'une fois, j'ai dit au distributeur qui m'a sollicité pour avoir mon avis, je lui ai dit, il faut absolument sortir ce film, c'est un chef-d'œuvre. Cinématographiquement, les images sont magnifiques, le son, la musique, tout est... C'est vraiment très bien pensé, et ça te prend aux tripes. Tu sens vraiment comment on peut endiguer une population comme ça. Alors, en France, on a utilisé, en fait, cette guerre-là depuis un an, mais déjà avant, hein, évidemment, en parlant d'islamo-gauchistes. Hein, c'est-à-dire que, évidemment, si on n'est pas du côté de l'État d'Israël, on est forcément antisémite. Alors, on a tous les espèces d'experts qu'on peut s'inventer, du genre Eindhoven, BHL, Luc Ferry, etc., qui nous expliquent, puis il n'y a pas que ceux que j'ai cités, par exemple, qui nous expliquent, dès qu'ils peuvent parler, que forcément, soit on est pour Israël, soit on est con, quoi. Oui, mais là, ça remonte à ce que ce grand intellectuel palestinien, Edouard Saïd, qui a écrit il y a 50 ans l'orientalisme, et comment on a inventé l'orientalisme, c'est-à-dire comment on a fait une différence entre nos peuples à nous et ces peuples au-delà de certains rivages de Méditerranée, et qu'on a créé ces différences. Et donc, effectivement, on reste dans cette notion-là. Et effectivement, nous, si on a des sympathies avec des gens, au niveau culturel ou au niveau... relation simplement d'amitié, on va être accusé d'antisémitisme. Mais ça va très loin, parce que c'est même un cheval de Troie politique, hein, pour la droite, même l'extrême droite qui, d'un seul coup, accuse toute la gauche d'être raciste, en fait. Hein, c'est-à-dire, eux, les champions du racisme, nous expliquent que c'est la gauche qui est raciste. C'est complètement fou. Et tout ça, c'est permis. L'extrême droite qui est... Là, pour moi, c'est une forfaiture de plus encore. La tradition. La tradition de l'antisémitisme appartient quand même à l'extrême droite en France et même dans d'autres pays. Et actuellement, ils sont des admirateurs de Netanyahou et de ce gouvernement. Alors, tout ça, c'était pour parler un tout petit peu quand même de la forfaiture dans laquelle on est. Le scandale de ce qui se passe en France avec théoriquement un président de la République qui normalement est le garant des institutions, hein, et qui nous a fait un truc complètement fou, quoi. Parce que depuis, en gros, trois mois, un petit peu plus de trois mois, on a sans arrêt, les unes après les autres, des trahisons notables, enfin factuelles. Hein, c'est-à-dire que quand il fait sa dissolution, c'est parce que, en fait, il voit qu'il va avoir un problème à la rentrée avec le budget de la sécurité sociale. Donc, il fait cette dissolution. Donc, il ne dit pas vraiment ce qu'il pense, mais c'est comme ça. Après, quand il y a l'élection
l'élection de Yael Braun-Pivet à l'Assemblée nationale, eh ben, on voit bien qu'il y a une trahison aussi, puisqu'il y a des ministres qui peuvent voter alors que théoriquement ils ne devraient pas avoir le droit de voter. Bah, ils ont deux casquettes à ce moment-là, ils sont ministres et députés. Alors là, c'est factuellement, alors ils sont des ministres démissionnaires, mais ils sont quand même. Enfin, bon, oui, c'est ils ont les fesses en deux chaises, comme on dit. C'est scandaleux. Après, il y a la valse des auditions, c'est-à-dire c'est quand même Macron qui se permet de recevoir les uns après les autres, et puis il nous balade, hein, pendant, ça dure un mois et demi, voire plus, où normalement, c'est absolument pas son rôle. Hein, et pendant ce temps-là, il y a le budget qui s'avance, qui a été monté par Attal. Et il refuse de donner les chiffres. Donner le budget à Coquerel et à De Courson qui viennent le demander. Enfin, c'est des trahisons internes, quoi. Après, on se retrouve avec Barnier qui nomme Retailleau. Retailleau qui nous explique que l'état de droit, c'est bon, ça va, ça vient, quoi. Hein. Donc c'est fou, quoi. On est dans les trahisons, un amoncellement de, un millefeuille de trahisons. On n'aurait pas pensé que ça soit puisse être possible dans l'État français, mais c'est complètement comme possible, quoi. Et donc le poids des médias par rapport à ça est absolument énorme. C'est-à-dire, c'est effectivement aussi bien public que privé. On a l'impression que personne n'ose ne rien dire, quoi. C'est circuler, il y a rien à voir. Et ils vont jusqu'à nous parler de l'état de grâce de Barnier. Alors qu'il y a une motion de censure sur lui, quoi. S'il y avait un état de... Enfin, c'est factuel, ça, quoi. Il y a le mec, il a une motion de censure sur le dos. On parle d'état de grâce. C'est fou, quoi. Voilà. Alors, et tout ça, évidemment, avec au fond, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, parce qu'il y a le procès de Marine Le Pen avec tout cet argent qui a été donné pour ses élus... à la commission à l'Europe, hein, où là on a jusqu'à 6 millions d'euros quand même, hein, de malversation, hein, voilà. Et donc quelque part elle a besoin de Macron et de Barnier pour pouvoir arriver à s'en sortir dans ce procès, et les autres ils ont besoin d'elle, voilà, pour pouvoir avoir le pouvoir. Voilà, je finis, merci, excusez-moi, j'en pouvais pas, j'en pouvais plus. Ça déborde. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Forfaiture.